Apparemment, plusieurs Gabonais veulent voter oui au référendum s'agissant de la Constitution pour dire merci au président de la transition. Cher peuple gabonais, chers compatriotes, la Constitution n'a rien à voir avec le président de la transition. Il ne doit même pas en parler, il ne doit pas s'en mêler. Et à la base, il ne devait même pas organiser ce référendum. Bref, on y est. Le merci au président de la transition a déjà été donné. Être président du Gabon pendant un an, ou un an et demi, deux ans, c'est devenir multimilliardaire. Et pas seulement en CFA, en dollars. Donc vous avez déjà assez dit merci. Il a deux épouses qui ont des fondations financées à des milliards. On a déjà dit merci. Ça, c'est déjà des merci. Ça, c'est des merci qui valent des milliards de dollars. C'est suffisant. Quand vous voyez son parcours, ce n'était pas forcément un parcours de quelqu'un qui est destiné à être président d'un pays comme le Gabon. Le merci est déjà là. Il a déjà été fait. On ne passe pas toute une vie à dire merci. Il ne faut pas donner un poste à quelqu'un alors qu'il ne correspond pas. L'or du Gabon n'a pas été comptabilisé dans la loi des finances. Cet or-là, le président de la transition sait, je suppose. Tu ne peux pas être président du Gabon, tu ne sais pas où l'or du Gabon va. Donc, s'il sait où ça va et qu'il ne s'est pas compté dans la loi des finances, bon, je pense que le merci a largement dépassé les limites. Donc, le merci est déjà donné au peuple gabonais. La Constitution n'a rien à voir avec lui. Le merci est déjà là. Nous ne connaissons pas le salaire du président de la transition. Il dit qu'il ne veut pas toucher son salaire. Vous avez vu ça où? Le merci est déjà là. Arrêtez de dire merci. On ne dit pas merci toute une vie. La Constitution, c'est censé être à vie. C'est-à-dire que c'est éternel. On peut de temps en temps mettre un article et enlever un article, oui. Mais on ne peut pas changer une Constitution du tout au tout. Celle d'avant, avant modification par deux ou trois dignitaires de notre pays, elle était pas mal. On peut la garder, rajouter deux ou trois articles, mais remplacer, passer, basculer à 180 degrés comme ça. C'est pas normal. Et basculer à 180 degrés pour repartir 40 ans plus tôt, ça n'a aucun sens. Le monde avance, c'est pas le Gabon qui doit reculer. Le merci a déjà été donné. On ne peut pas écrire une constitution pour plaire ou voter une constitution pour plaire à un seul individu. Ce n'est pas possible. Il a déjà eu les milliards, je suppose. Je vous dis, le merci a déjà été donné. Et encore, on dit même encore merci. Mais cette constitution n'a rien à voir avec le président de la transition. C'est un document à vie pour notre pays, qui va gérer notre vivre ensemble, qui, il y a nos rêves. Est-ce que vous savez que la Constitution doit traduire le rêve d'un pays? Il prend en compte le passé, le présent, le futur. Quand vous regardez la Constitution, il y a un rêve. Le Gabonais rêve dans cette Constitution-là. Le Gabonais dit, là, je suis en sécurité avec cette Constitution. Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Est-ce que vous vous sentez équilibré? Vous avez l'impression que la justice est dans la Constitution actuelle? Laissez l'histoire du merci, trop de sentimentalisme, c'est trop. On a souffert, c'est comme si on n'a pas souffert. Le président de la transition dit qu'il a fait le coup d'état parce que l'un des premiers ministres n'a pas bien conseillé son chef de président. Mais c'est ce que lui aussi il est en train de faire là. Le vice-président, il ne le conseille pas. Pourquoi il ne vient pas lui dire que, ah chef, là ce que tu fais là, c'est pas bon. Pourquoi le premier ministre actuel ne dit pas au président de la transition que « Président de la transition, je suis là pour te conseiller. Ce que tu veux faire là, c'est pas bon. » Pourquoi le président du Sénat, président de l'Assemblée nationale ne vient pas lui dire que « Ah chef, je suis là pour te conseiller. Ce que tu fais, c'est pas bon. » On fait le bis repetita de ce qui n'a pas marché. Les mêmes personnes qui se plaignent qu'avant, ça n'a pas été fait, et ils reproduisent la même chose. Moi, je m'adresse au peuple gabonais. Nous ne sommes pas là pour dire merci au président de la transition. Je pense que le merci est déjà fait. La preuve, il ne veut même pas prendre son salaire. Vous avez déjà vu quel individu qui travaille, quelle personne. Individu, ce n'est pas une injure. Hein. On ne commence pas à vouloir individu, c'est une personne. D'accord? Donc vous avez déjà vu qui travaille autant.
hein, avec les mesbas, avec il dit qu'on le force à faire, à nommer des gens, tout ça. Et puis il dit que je ne prends pas mon salaire. Tu souffres comme ça, tu refuses de prendre ton salaire. C'est que quelque part, bon, la constitution là, c'est pas pour dire merci. Votez en votre âme et conscience. Si vous ne comprenez pas, vous savez ce qu'il faut faire. Cette constitution, si elle ne vous fait pas rêver, si elle ne vous met pas en sécurité, nous fonctionnons actuellement là avec l'ancienne constitution. C'est vrai qu'il y a la charte, mais nous avons un pays ne peut pas rester sans constitution. C'est impossible. Donc nous avons une constitution. Modifions celle-là, enlevant les articles que les gens ont écrit à un stylo là dans les quartiers. Modifions ça, gardons-la, allons-y voter, je ne sais pas, l'année prochaine. Et après, on pourra modifier sereinement notre constitution.